It's just different. Okay. Oh, okay. Yeah. Alors, let's get it on. Sure, everything is right. Today we're not gonna have the same sound because I'm in a different room. I'm in the kitchen. All right, let's do this. Yeah. All right. The sound is good. Yeah. We good. All right. So here we go. Aujourd'hui. On va faire de la cuisine en anglais. Alors juste avant, en fait, je vais simplement donner un peu de vocabulaire. Anabila, what's up, The Crypto, what's up, Bretlin, tranquille ou quoi? Je vais donner simplement du vocabulaire aujourd'hui et on va mettre en pratique. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un point principal qui est de s'amuser quand on apprend une langue. S'amuser et faire les choses dans les domaines qu'on aime. Exemple, quelqu'un qui aime chanter, quelqu'un qui aime les films, les séries, les télé-réalités, et ben, bref, quel que soit le domaine qu'on affectionne, d'essayer de pratiquer la langue en question dans les domaines qu'on affectionne, que ce soit la musique, le 7e art, le jeu vidéo d'ailleurs, mettre sa PlayStation en anglais, etc., jouer à des choses en anglais, interagir avec des autres players en anglais, oignon frit, voilà, tu fais des recettes en anglais, lire des livres en anglais si pour les gens qui aiment la lecture, quelle que soit la passion, n'importe quoi, essayer de trouver des moyens de faire ces choses-là, mais en anglais. Ok, alors aujourd'hui c'est juste un exemple, je ferai d'autres choses, mais aujourd'hui l'idée ça va être de faire une recette totalement en anglais.
J'ai changé mon lieu parce que je suis dans la cuisine. Voilà pourquoi j'ai changé mon lieu. La première demi-heure, en fin de compte, je vais donner principalement du vocabulaire. Et puis après, on va se mettre à l'œuvre. Et dans la deuxième partie, quand on va se mettre à l'œuvre, je vais faire ça avec ma fille. Et on va parler seulement en anglais. Ok? Donc, vocabulaire de cuisine. Alors, je rappelle la prononciation. Faut sortir du français. Mighty on the back, exactement. On peut parler de food porn, de la cuisine cochonne. D'ailleurs, tu sais que, petite parenthèse là, je vois que Bretlin il niaise un peu. Tu sais qu'au Québec, ils utilisent ce terme-là, c'est cochon. C'est cochon, ils l'utilisent en cuisine, voulant dire c'est très bon. Ça, c'est cochon. C'est pas pareil qu'en France, généralement. Alors, pour la prononciation, faut toujours sortir du français. Donc, essayez de, comme on l'a vu au premier cours, mais ça viendra avec le temps, surtout pour les plus débutants. Les lettres ne se prononcent pas de la même manière, tant les consonnes que les voyelles. Exemple, là, je ne vais pas lire récip, récip, récipé, non, recipe. C'est comme ça qu'on dit. Recipe. Recette. C'est comme un menu. Menu, ça s'écrit pareil, par exemple. C'est pour donner un autre exemple. Mais on ne dit pas menu. On dit menu. Menu. Ton live coupe à mort. Ah ouais? Quand tu dis ça coupe, ça lag. Moi, je le vois bien, hein, là. Non? Non, pas du tout. Ah, ça doit être ton internet, alors. Non, j'avais un doute parce que j'ai bien fait attention à fermer un maximum d'autres choses. Pas chez moi, pas chez Crypto. Ok, nickel. Ouais, ça doit être internet, Wetlin, je sais pas. Mais moi, j'ai un retour, en fait. J'ai un retour. Faut voir si je lag. Non, je lag pas. Non, c'est bon. Donc, du vocabulaire de base, hein, vocabulaire de base, recette, recipe, menu, menu, cuisine, on est dans la cuisine. Cuisine, Brian is in the kitchen, on connaît, kitchen. Alors à la française, on va dire kitchen, 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 the kitchen. What's up à tous. De la nourriture. De la nourriture. De la nourriture. Simplement, food. Alors, je pourrais ajouter some food. De la nourriture. Some food. Ok. Qu'est-ce que je pourrais dire? Vraiment les trucs de base. Hein. Je vais faire tout ce qui me passe par la tête. Cuillère. Alors, il n'y a pas de féminin masculin, ça c'est un autre avantage de l'anglais. Une, un, etc. En anglais, on est tranquille. Une cuillère, a spoon, un couteau, a knife. On ne va pas prononcer le K. A knife. Une fourchette. Fourchette, une fourchette, a fork, what else, quoi d'autre, what else, le four, je regarde autour de moi là, c'est plus simple, the oven, alors là je vais mettre la table,
Si c'est un démonstratif comme ça, pronom démonstratif, la table, the. Que ce soit masculin ou féminin, comme d'hab. Ça va s'écrire pareil. Mais on va dire table. Le micro-ondes. Le micro-ondes, même si j'en utilise pas. The microwave. Littéralement, en fait. Une onde. Ah, tiens, ça s'écrit d'ailleurs en. Ah, c'est sans tirer, il me semble. Ouais, c'est ça. Les ondes, c'est les waves. Les ondes. Le lave-vaisselle. The dishwasher. Le lave-vaisselle. The dishwasher. Alors celui-là aussi. Non, ils mettent pas de tirer, ok. Et d'ailleurs, the dishes. Alors, a dish. C'est marrant parce que a dish, c'est un plat. Un plat à manger. Tranquille, Axel. Le site français. Drink. Alors, il y a le verbe. To drink, which is, qui est boire. Je vais le mettre comme je fais, français-anglais. Un plat, dish. On a dit, donc, boire, le verbe, to drink. Mais on peut dire une boisson. Une boisson, et ça va être a drink. Donc, soit tu l'utilises comme un verbe, to drink, ou a drink. Can I have a drink, please? Est-ce que je peux avoir quelque chose à boire? Est-ce que je peux avoir une boisson? Formation anglais, ouais, c'est ça. Oh, une hot. Alors là, ça devient un peu plus technique. Une hot. J'essaie, avant de regarder, j'essaie d'utiliser un peu ma mémoire. Est-ce que je sais même dire une hot? J'utilise tellement peu le mot. J'ai besoin de tricher un petit coup. Google Translate pour avoir un mot rapide. Là, généralement, ça fait le taf. Je pourrais pas dire. A hood. Jenna? Oui. Tu sais, le truc là, quand on l'allume, c'est. Ouais, en anglais, tu sais comment on dit? Ouais, ouais, non, laisse tomber, c'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup. Ouais, ouais. Donc ça devrait être a hood, mais tu vois, c'est très peu utilisé. Une hot, a hood. C'est tellement peu utilisé, ou du moins par moi-même, que j'ai même un doute. A hood. Ça devrait être ça. A hood. Alors, a hood, c'est aussi un quartier chaud un peu. A hood, the hood, in the hood, tu vois. Ça, c'est plus connu en fait. Je pense que les gens, ils connaissent plus the hood comme quartier. Mais une hot, a hood, ouais. Belle colle en tout cas. On continue. Alors bon, celui-là, je sais pas si je vais le mettre. J'ai un doute, mais apparemment c'est ça. Au moins, j'ai la réponse directe. C'est pas hood. Ventilation. T'es sûr de toi? Non, pas hood. Ah, carrément. En fait, vous me dites c'est pas hood. Ça peut l'être hein, aussi. Hein. Il y a peut-être que. Il y a plusieurs manières parfois de dire les choses ou des mots peu communs. Mais ça peut être une hot, a fume hood. Ça devrait être, c'est a hood.
pure destination. Dans une cuisine, une hotte avec une évasion. Tiens, tu vois, a hood. Si, si, c'est une hood. J'aime bien les mecs. Non, c'est pas hood. Non, bah, si, c'est hood. J'avais un doute. C'est juste qu'on ne connaît pas trop le mot. A fume hood. Un mot peut avoir plusieurs significations aussi. Plusieurs, plusieurs sens, comme en français. Range hood. Mais a fume hood. Apparemment, a hood, c'est aussi ça. Manipuler sous une hotte pour éliminer les vapeurs. Handle mercury containing substances under a hood. Ventilation, c'est une ventilation littéralement. Alors, on peut utiliser le terme ventilation, mais c'est pas littéralement le nom commun une hotte. On se comprend ? Robin Hood, ça c'est différent. A fan. En bon québécois, on dit a fan. Ouais, mais pareil. Tommy, alors apparemment, t'es des sites. T'es des sites, mon chum. En bon québécois, on dit la fan. C'est vrai que. Alors, nous, a fan, on l'utilise. Enfin, moi, j'ai l'habitude de l'utiliser comme un ventilateur. Tu vois, un fan. C'est plus un ventilateur. Mais littéralement, le truc que tu mets en marche au-dessus du oven, au-dessus du four, je pense que techniquement, on pourrait dire fume hood. Donc, je vais le marquer quand même. Mais je suis quasi sûr, hein, ils le disent. Peut-être pas, on n'a pas besoin de dire fume hood. Dans le même registre. Fan, je dirais un ventilateur, a fan. Et d'ailleurs, fan, c'est une contraction, c'est pas le terme exact, il me semble. Je sais pas si vous me donnez fan là. Bon, là, on sort un peu de la cuisine. Ah, bah si, a fan. Je pense qu'il y a d'autres mots, il y a d'autres manières de le dire aussi, mais c'est la manière la plus commune, je dirais. Style ventilation. On le dit en français avec un A. La fan. Ah ouais, alors ça, c'est à la québécoise, ouais. All right, no problem. Have a good meal. Bon appétit. Alors ça, on le dit pas. Bon appétit, tu sais qu'ils le disent. C'est comme voilà. Il y a des anglophones, des anglais, là, disent quand quelque chose, c'est fini, voilà, avec leur accent. J'ai déjà vu ça. Déjà vu. Et ben, bon appétit, il n'y a pas de traduction. Ils disent même bon appétit. Mais ils prononcent le T. Bon appétit. Un robinet. Oh. Tu sais, même toi ? Quoi ? Un robinet ? Ouais. Ça, c'est l'évier. Mais moi, je suis pas. Mais tu vois, ouais, parce que bon, j'ai des enfants, ils sont complètement bilingues. Leur mère, elle est anglophone, donc. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a des termes, on l'utilise. Un évier, alors attends, un évier, ça c'est le sink. A sink. À pas confondre avec le verbe to sink, qui est couler. To sink. Mais un robinet. J'ai su tap water, yeah, tap water, on dit tap, a tap, non, ouais, parce qu'on dit en fait un robinet a tap, et on dit de l'eau du robinet, ça c'est plus commun, de l'eau du robinet, pas de l'eau en bouteille ou quoi, on dit tap water, comme ça. Faucet, c'est les égouts, tout à l'égout. Faucet. Pareil, c'est pas un mot très commun. À la base, là, je partais dans le vocabulaire commun. Hein. Faucet aussi. Ouais. Ah bah, tu vois, il y a. Quoi ? Qu'est-ce qu'il me raconte, lui ? Je vais m'abstenir de ce synonyme. Ah, ça, je savais pas, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. C'est marrant, dis donc. Ok, donc tap, ouais, faucet, on dit aussi. Ok, c'est autre chose. Autant pour moi.
Google Trad, non, non, mais c'est Google Trad, ça se développe, hein. C'est pas si dégueu que ça, hein. Ça dépend. En tout cas, Faucet, on dit Faucet aussi, mais c'est peut-être moins commun. Donc Faucet, ça existe aussi, mais juste, je vais pas le marquer. Et d'ailleurs, tiens, petite parenthèse francophone là. Tu sais que autant pour moi j'avais appris que en fait on l'utilise toujours, on l'écrit, on l'orthographie de la mauvaise manière. Apparemment, à la base, on l'écrit comme ça. Autant pour moi, je te laisserai faire des recherches, m'amène Satoshi. Mais moi aussi j'étais chaud. Il y avait tout un débat dans ma famille et apparemment, ça a tellement été écrit autant. Pour moi, dans la manière où on peut comprendre, autant, oui, autant pour moi, c'est pareil. Qu'on peut l'écrire des deux manières, apparemment. Mais bref, bon, je ne vais pas faire un cours de français là, on parle d'anglais. Débarre. On continue. Alors, je sais pas moi, des tiroirs, un tiroir, mais il y a des tiroirs dans la cuisine, un tiroir. A drawer, 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 drawer. Il est dur à prononcer celui-là. Mais mon fils m'a repris même. Drawer, tiroir. Ah, il n'y a qu'un R, c'est pour ça. Je suis plus rouillé en français qu'en anglais. Drawer. Il est technique celui-là. Drawer, drawer. On prononce même pas en deux syllabes en fait. Drawer. Un peu technique. Ça glisse, m'amène Wizbot. Drawer. Drawer, un R. On reste dans le basique, on reste dans le basique. Un verre. A glass. Et d'ailleurs, la matière du verre, qui s'écrit pareil, en fait, en français, un verre ou du verre, le material, la matière, et ben c'est exactement pareil en anglais. A glass, c'est un verre, et la matière, glass, qui n'est pas de la glace. Drawing, c'est dessiner. To draw. Alors ça c'est totalement différent. To draw c'est dessiner. A drawing c'est un dessin. Ice Cube c'est un rappeur. Des glaçons. Il s'appelle Glaçon le gars. Pourquoi pas hein? Des glaçons. Alors je l'ai mis au pluriel. Donc on va dire ice cubes. Ice cubes. Le frigidaire. Le frigo. Frigo, frigidaire, je vais l'écrire correctement. The fridge. The fridge. Le congélateur. Le congélateur. J'ai un trou. Congélateur. Comment on dit congélateur? Congélateur, congélateur. The freezer. Le congélateur, the freezer. Yes, exactement. Mr. Freeze, bah oui, Mr. Freeze. Une bouteille. Hein, on enchaîne. De toute façon, je partage le document, mais c'est. Soit c'est pour se rafraîchir la mémoire, soit c'est un peu dessiné à tout niveau aussi, hein. C'est pas que pour les débutants. A bottle. Et j'en profite pour travailler un peu la prononciation pour les plus débutants. Je ne vais pas dire que j'ai la meilleure des prononciations, mais on se fait quand même un certain temps que je pratique mon anglais depuis tout jeune, quoi. Avec une maman prof d'anglais, avec une ex-compagne anglophone, ça aide. Qu'est-ce qu'on a encore?
une assiette, j'ai pas dit une assiette, je regarde autour de moi, je suis dans la cuisine. Une assiette, a plate, ok. Une poêle, a pan, a pan. Un grille-pain, toaster, on dit. Ah, tu connais pas le mot grille-pain? Non, on dit un grille-pain. Ben moi, je dis un toaster. Un toaster, tu vois. A toaster. Pour faire des toasts. Des toasts. Des comment vous dites les Québécois déjà des toasts? Oh, la première fois que j'entendais ça, j'étais là, je comprenais pas. Attends, ils disent comment déjà? Comment vous dites des toasts? Grille-pain, ah, vous dites pas ça? Les Québécois, comment vous dites des toasts là, le matin? Des. J'ai oublié! J'ai travaillé en boulangerie à un moment donné. Tommy, tu sais, comment vous dites des toasts le matin là? Des. Typique Québécois. Ah, je vais pas retrouver. Des cuits, des rôtis. Enfin, des rôtis. Des rôtis. Vous dites des rôtis. T'as déjà, tu connais ce mot-là. Des rôtis. Oh, première fois que j'étais mort. Ah, des rôtis. J'étais mort de rire. J'étais en boulangerie. C'était rôtis. Comment ça, on veut des rôtis de bœuf? Moi, je connais rôtis de bœuf. Non, des rôtis, ils disent des fois. C'est cave, dit comme ça. Ok, est-ce qu'on a fait le tour? Non, non, alors je suis pas dans la nourriture encore, parce que la nourriture, là, on peut en mettre des centaines du vocabulaire. Mais des choses qui ne sont pas de la nourriture. Une tasse. Alors, une tasse pour faire du thé. Bon, on va dire un mug. A mug, je sais pas comment le dire autrement. Il y a sûrement d'autres manières de le dire. A cup, yeah. A cop. Ouais, bah tu me dis quand tu me dis. On va bientôt commencer là. On va se mettre en pratique. Alors attends, je suis curieux de voir ce qu'il va me. A cop. Il va me dire a cop. Donc littéralement c'est a cop. T'as raison, Satoshi. Et si je dis a mug, parce que tu vois, ça se trouve là, je peux dire a mug. Il va me dire une tasse. Et c'est pas faux. Hein. Voilà. Donc c'est ce que je pensais. Donc a cop. C'est ce qu'on va utiliser peut-être pour être plus juste dans la traduction. A mug, c'est plus gros, peut-être. C'est a bit bigger. Une éponge. Sponge. Je crois que c'est avec un U, d'ailleurs. C'est kiff-kiff. Ah, il y a des synonymes aussi, hein. Je veux bien l'écrire. Une éponge sponge. Ah, c'est avec un O. C'est bien avec un O. C'est pas sponge. Sponge. D'ailleurs, du liquide vaisselle. Ça dit demande participation. Ça dit demande participation. On dit dish soap. Moi, dish soap. Soap, c'est du savon. Dish, c'est des plats, du savon pour les plats. Alors, attends, il y a un autre terme que je voulais balancer là, dans le même thème, dans le même. The same range of vocabulary. Cutlery. Cutlery, c'est. Je sais même plus le dire en français en fait. Les couverts, voilà. Donc pour dire juste de manière générale les couverts, on dit cutlery. Tu peux mettre les couverts sur la table, cutlery, c'est là qu'on va utiliser ce terme. Cutlery, je l'ai mal écrit. Voilà. Est-ce que on a fait le tour? Alors après, il y a des trucs un peu plus techniques. Par exemple, un couvercle pour les plats. On peut mettre un couvercle. Un couvercle.
lid. A lid. Ah tiens, là j'ai devant moi j'ai une planche à découper. Je saurais pas dire ça. Je me demande comment il va me le traduire. Une planche à découper. Cutting board, littéralement. Ok. Bon, board, c'est aussi un tableau. Une planche à découper. A cutting board avec un big knife. Un fouet. Tiens, on va l'utiliser. On va faire des crêpes. Un fouet. Fouet, pareil. Ça, c'est des trucs que j'utilise pas tous les jours en anglais. Un fouet. Whip. 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 Yes. Ça m'est revenu. Whip. What else? Qu'est-ce qu'on a? J'ai fait le tour presque. Bon, après, il y a des trucs beaucoup plus spécifiques, hein. Mais je crois que j'ai pas mal fait le tour là en fait. Ouais, j'ai rien qui me vient en tête trop. Donc, parce qu'il y a, bon, ça c'est pas la nourriture encore. Il y a des verbes qu'on pourrait incorporer et il y a tout plein de nourriture. Alors là, on va faire un peu de nourriture. Il y a les verbes, d'ailleurs, to whip, fouetter. Il y a plein de verbes qui viennent des mots, hein. Par exemple, to whip, fouetter, to toast, on pourrait dire, c'est toaster, griller, to plate, je crois que ça s'utilise, to plate, c'est dresser, quand tu dresses une assiette, tu sais, au restaurant ou dans Top Chef, là, dress, to plate, to freeze, ça s'utilise comme un verbe aussi, donc c'est congeler. To draw, c'est pas pareil, c'est dessiner. To sync, c'est pas pareil. Alors, quoique, c'est un peu cousin en fait. Un évier et to sync, couler. Voilà, là, to drink, on l'a dit, etc. Okay. Donc, un peu de bouffe, on va faire un peu de bouffe. Food. Je vais au moins faire ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, eggs, œufs. On va utiliser. Alors, je vais faire toujours dans le même sens. Des œufs. Alors, je vais mettre au pluriel. Œufs, eggs. Oui. Ok. Bah viens. Faut que tu prennes. Prends l'autre tabouret. On est 200 personnes. Ok, tu vas prendre l'autre tabouret et puis tu vas te mettre ton ordi à côté. De la farine. Flour. On va utiliser eggs. On va utiliser flour. On va utiliser du sucre. Which is sugar. On va utiliser du sel. Just give me a second, please. Du sel, on va. C'est salt. Quoi d'autre? Bah, pas grand-chose d'autre en fait. Farine, sel, sucre. Alors, par exemple, de l'extrait de vanille. De l'extrait de vanille. Et ça va être vanilla extract. On inverse. Vanilla extract. Et du beurre. Du beurre, which is butter. Butter. Et alors après, il y a plein d'autres trucs, mais... Ok. Pas la clé dans la classe aussi. Excellent. Les carreaux. Donc là, par contre, on va se mettre au travail. Je vais peut-être changer le mic. Je vais faire un test. Est-ce que je peux juste avoir un retour de quelqu'un?
Oui. Je vais devoir utiliser ce mic là. Ok, vas-y. Attends. Alors, 1, 2, 1, 2. Tiens. La musique est forte. Une seconde, John. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire si le son fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous m'entendez? Pour être mobile, en fait. Alors, je remets ça, voilà. Et puis après, on va enchaîner en anglais. On entend? Bah tiens, je vais mettre s'il y a personne qui m'écoute. 1, 2, 1, 2, 1, 2, microphone check. Ah, ça marche nickel. Nickel. Bon. Here we go. Now we're gonna speak only in English. Bah nous, après, toi. On... Mais nous deux. À partir de maintenant. Alright. Let's do it. So. We good. All right, so I don't need this anymore. 216. Wow. Exceptionally, we can speak English. Exceptionally. Right now. That's the point. So I need the container, the big one. Yes. This is another thing that I didn't talk about. What? A container, a big saladier. Spell. All right. So we're doing crepes. Crepes. Good crepes. By the way, crêpes, bon, je peux parler un peu français quand même. Des crêpes, on a, il y a pas de traduction. Crêpes, c'est crepes. Donc là, ils disent pancake. Milk, forgot to say it. Du lait, milk. So, I'm gonna pour verser. Je vais verser, ou je vais le dire dans les deux langues à chaque fois. I'm gonna pour some flour. In this cup, measurement cup, c'est un verre à mesure en fait, tu vois. Measurement cup. We're gonna fill it. On va le remplir. Fill, to fill, c'est remplir. Like 400 milliliters should be good enough. Ça devrait être suffisamment bon. Should be good enough. Like 2 cups. So they talk in cups. Ils ont une unité de mesure aux States. C'est des cups. Une cup, half a cup, une moitié de cup, a quarter a cup, etc. Bref. 2 cups, 4 milliliters of flour. I put the flour. Je mets la farine. Flower, ça se dit comme une fleur d'ailleurs. Ça s'écrit pas pareil, mais ça se dit quasiment pareil. Flower, fleur, et flower, farine. I'm gonna pour some sugar. I'm pouring some sugar. Je verse du sucre. Je le fais à vue de nez. Like roughly, grossièrement.
Je mets du sucre grossièrement, comme ça, voilà, roughly, enough, suffisamment, assez. And then I'm gonna pour some salt as well. Salt. Alors j'ai des petits trous là. I have just little holes. So I need to dump a bunch here. Je dois en mettre beaucoup. Des petits trous. Dédicace à Gainsbourg. Des petits trous. Suffisamment de sel. Voilà. What did you do? Ok. We're gonna, comment tu dis comme ça, mélanger? Steer. We're Je crois que c'est mélanger parce qu'il y a conduit. Ouais, je crois que c'est stir. Ah, stir. stir, ouais. We're gonna stir. Touiller. Je crois que la traduction, c'est plus touiller. Est-ce qu'il faut que vous faites chacun une recette ou c'est vraiment la nôtre là qu'on est en train de faire? Que tu montres là. Ah! Parce qu'elle a même pas commencé, ça fait moins qu'un Mais tiens, you can million. Les stare. gens, You can stare. les gens, parlent. Mais doucement, slowly, doucement, Regarde les filles. slowly. Do not put a bunch of Vas-y, flour everywhere. Alors là, j'ai oublié de dire du lait. Du lait, milk, ok. Et là, on parle de to steer. Alors, steer, j'ai un doute. To steer. Remuer, ah d'accord. Ok, ben c'est ça. Remuer, mélanger. Mais ça s'utilise comme mélanger. Remuer. Mélanger, parce que littéralement mélanger c'est to mix. Mais comme en cuisine, remuer dans un plat, on va dire to steer. Stir. Ah, to stir, excuse-moi. To stir. J'ai entendu steer des fois. Attends. To stir. To stir, t'as raison. To stir. On va laisser le son. Allez, changez le son hein, si vous voulez utiliser vos PTC pour changer la musique. Je trouve qu'on n'entend pas tant que ça. Ouais. To stir. Remuer, to stir. Ok. Donc là, en fait, on a remué, on a mélangé des produits secs. We just stirred the dry products. We do the dry stuff on one side and the wet stuff on the other side. Eggs, yes. Yoji, on est en cours de cuisine en anglais. All right. OG. D'ailleurs, à chaque fois, je dis ton nom en anglais, d'ailleurs. Je dis pas Ognios ou quoi. Je dis OG. Let's bring the eggs Okay, now. I got the eggs. I got Yes. the I think On the bottom, right here. On the right. I will hold this one. This one. Let me check the other one. How many Okay. left there are? I Oh, have 12 here. I think we've got two left. Two left. Yeah. So just hold this for me for a second. I'm not sure. Three. Three. Okay. Oh. Can you open it for me? Oh, yes. Est-ce que tu veux? Tu parles anglais. Je parle anglais pour le son. Ouais, je parle un peu les deux. Tu parles anglais. Can you open it for me? Ben non, je parle pas D'accord. français. J'ai anglais, français, anglais, français. It's good. Ok. Can you open it for me? Est-ce que tu peux l'ouvrir pour moi? Tu parles Ayo, CEO. Yo. What is the recipe Oh, okay. for? What is this a recipe for? Je suis pas sûr de la syntaxe de ta question. What is this recipe, you mean? What is this recipe? What is this recipe for? Pourquoi tu fais?
What is this? Ouais, parce que et, voilà, exactement. C'est, en fait, si tu dis, mais c'est pas c'est, le but, c'est de, d'expliquer ou de, d'apprendre. What is it for? Quand tu demandes cette question, en fait, what is it for? Well, it is to eat. C'est pour manger, tu vois. Si tu dis le for, mais si tu veux dire, c'est pour quoi cette recette, quoi? Ok. Ben, c'est pour la manger. Mais en fait, le for, ça change tout le sens de ta question. What it is for? What is it for? C'est pourquoi que tu fais ça? C'est pour le manger. Mais c'est pas pareil que what is this recipe? Tu mets pas le for, et là, ça veut dire c'est quoi cette recette? What is this recipe? This recipe is the crepe recipe. Je dis crepe parce que c'est comme ça qu'ils disent les Anglais. Crepe. Ils disent pancakes, mais c'est pas des pancakes. C'est pas pareil. Pancakes, c'est plus large. Alors, tiens. Hold this for me and put it in the sink. Okay. No, just on the side right here, actually. No, on the side. Yeah, thank you. Yeah. Merci. Donc, what it is for? What is it for? The for, c'est dans quel but? C'est pour manger. Yes. Tu peux me prendre du sopalin, s'il te plaît? Merci. Ça, tu peux le mettre derrière. Scott Towel. Alors, I'm gonna break the eggs. As I was saying, comme je le disais, as I was saying, les ingrédients secs d'un côté et les ingrédients liquides de l'autre. Dry ingredients on one side and wet ones on the other side. So I'm breaking the egg. Break. One, two, three, four, five. J'en fais suffisamment pour en cuire peut-être quasiment une vingtaine de crêpes. I'm doing enough to be able to make like 20 of them. Crepe. En anglais, c'est crepe. Ouais. Crazy gambling cake. Pardon. Alors, then we need to mix all this together. Yep. On a besoin de mélanger tous ensemble. Ooh. Ouais. Nice. Alors attends. Attention à ton ordi, t'as failli le faire tomber tout à l'heure. Donc we need to on a besoin de. We need to. OG, ça veut dire oh, ouais, c'est ça. OG, original gangster. Non. C'est comme ça qu'on dit. Toi, fais attention. OG. C'est ça que ça veut dire. Alors je comprends pas trop tout le blaze là. OG Mios. En fait, c'est un OG grec. C'est un genre de gangster grec ou rien à voir. Mais ouais, OG, original gangster. Donc là, we need to, yeah, c'est ça que je disais, on a besoin de, we need to, si c'est j'ai besoin de, I need to. Tu peux m'emmener à la poubelle s'il te plaît? Can you bring me the garbage, please? Just here, just to see, thank you. Merci. Mix. Ok, mix. Donc mélanger, tu vois. On peut dire stir. On peut dire stir. On peut dire stir. Ouais. Comme Justin Bieber. Le dieu de l'éloquence. Hein? Ogmios. Ah bah, tu vois, j'ai dans l'Antiquité grecque ou dans le dieu grec, sûrement. Ok. Intéressant, ben voilà, on apprend des choses tous les jours.
Est-ce que tu peux me donner le measurement quoi? Can you give me the measurement quoi? Can you? Est-ce que tu peux? Can, c'est le pouvoir. Now, maintenant, I need to, j'ai besoin de verser du lait. Pour some milk. Verser, to pour. Alors tiens, je vais le mettre là, ça, parce qu'on est dans la nourriture. Verser, to pour. Pour. Alright? I'm gonna, c'est la contraction. Je vais. Be careful. Je vais. Présent progressif. Be careful, Be careful, c'est. Fais attention. Be careful, there is electronics everywhere. Il y a des appareils électroniques. Fais attention. On va faire ça doucement, tranquille. Easy. Yes. Easy, slowly, doucement. So yes. Now I'm gonna pour the milk. No joke, no joke. C'est pas des lol. Y a pas de. No joke, faut que je fasse attention. No joke, I need to be careful. Je veux pas casser le PC. I don't wanna break the computer. Exactly. Yeah, regarde, regarde tout ce lait. Look at all this milk. I don't need this anymore. J'ai plus besoin de ça. Ouais, il voit tout. T'as pas besoin de tout voir, mon chéri. C'est pas un cours de cuisine à la base, c'est un cours d'anglais. Donc, mais c'est ça que je disais en fait en introduction. Pour ceux qui débarquent ou ceux qui sont là depuis pas le début. Qui ne sont pas là depuis le début, devrais-je dire. Je disais, en fait, c'est une bonne chose d'essayer de trouver des passions pour travailler la langue. Les gens qui aiment faire la cuisine ou quoi, qui regardent des recettes de cuisine en anglais pour travailler l'anglais, par exemple, des gens qui aiment toutes sortes de choses, la lecture, lire des livres en anglais, la musique, écouter de la musique en anglais, je sais pas moi, des trucs de bricolage, ça peut être tout et n'importe quoi, quoi. Voilà. So we mix up, on mélange. And that's it, basically. And then we need to fry it. Yeah. The butter. We're gonna add some butter. On peut ajouter du beurre. To add. Ah ça, je vais le noter. Les verbes, plus il y a de verbes et plus c'est bon. To add something. Ajouter. Ok. Alors, remuer, je vais mettre to stir. Et puis là, je vais mettre to mix. To mix, on va plus dire mélanger. To cook. J'ai mis dans le mauvais sens encore. Cuire, c'est to cook. Et là, juste le mettre dans l'autre sens. Français-anglais. Ajouter. To add. Ok. Pas sûr, apparemment, Wizbot. Si, 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 c'est bien ça. Qu'est-ce que Wizbot te dit? Rien, mon cher. Laissez ça, là. Laissez ça, ok? On va pas s'en sortir sinon. Mixing, mix up, mix up, mix up. On mélange. We stir. The butter. You're gonna cook it.
We need something to put in inside. On a besoin. Non. Alors il me faut un autre récipient. Alors, on va rajouter un peu des verbes qu'on utilise dans la cuisine, mais qu'on utilise dans d'autres domaines aussi. Donc, on peut dire ouvrir n'importe quoi. To open. Allumer. To turn on. Et éteindre en fait, parce qu'après il faut l'éteindre. Éteindre, du coup, c'est exactement turn on et turn off. And it's gonna be the last step, la dernière étape. Alors là, on sort des verbes. A step, c'est en fin de compte une étape. Et si je dis the last step, ouais, et je le mets encore dans l'autre sens, une étape, step, and if I'm saying, si je dis the last step. Je l'ai encore mis dans le sens. La dernière étape. Donc la dernière étape, pas une dernière étape. Une, ça va être E. La ou le de. The. Step. Yes. Ok. Yes. Alors, OG, moi, je suis rien apporté en français aussi. Moi, j'avais vu ça dans un reportage, mais c'est pas nouveau, hein, mais il y a plein de trucs à ce sujet. Premièrement, tu apprends par le jeu. Tu apprends beaucoup plus dans la nature, par exemple, tu vois, il y a plein d'animaux, chez plein d'animaux, les lions, enfin, tout plein d'animaux. Les petits là, ils apprennent par le jeu. En fait, tu joues et en jouant, donc en ayant du fun, c'est comme ça que tu vas apprendre, mais 20 fois plus. Tu vas assimiler et tu vas apprendre sans trop t'en rendre compte, en fait. Et moi, en tant qu'enseignant aussi, j'essaie toujours de mettre du fun dans mes leçons. Alors je fais pas des cours comme ça, hein, on fait des recettes, hein, soit, soit. Mais faut trouver, faut qu'il y ait un certain dynamisme, faut qu'il y ait une certaine ambiance, faut quand c'est trop c'est quoi le terme déjà, quand c'est trop académique, c'est ça que je voulais dire, quand c'est trop académique, franchement ça fait mal à la tête. Et donc tu apprends par le jeu. Et j'avais aussi vu un autre reportage en fin de compte qui était sur une enfant qui avait environ quoi 4-5 ans, très très jeune, russe, qui parlait déjà 6-7 langues. Et comment? Bah parce qu'en fin de compte, je pourrais mettre là, le petit bout de reportage, ça dure pas longtemps, ça dure 3 minutes, 4 minutes, je vais le mettre après.
elle faisait des cours de musique en chinois, elle faisait des cours de cuisine en français, elle jouait au parc avec une amie en anglais, sa langue maternelle c'était russe, et elle apprenait chacune des langues en pratiquant un domaine que la petite elle aimait bien quoi. Donc soit la cuisine, soit elle faisait du piano, elle chantait, etc. C'était impressionnant, mais la morale du reportage en fait, ce qu'il voulait exprimer au travers de ce reportage, c'était que t'apprends beaucoup plus. Alors c'est sûr, t'apprends beaucoup plus quand t'es enfant, ça c'est aussi autre chose, mais de manière générale, t'apprends beaucoup plus en ayant du fun et en pratiquant la langue dans des activités qui te plaisent. Et ça, c'est pas rien de dire ça, parce que tu vois, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui sont désireux d'apprendre l'anglais ou une autre langue, mais qui se disent, ah non, tu vois, je vais faire des exercices, des cours, blablabla, blablabla, ça me fait mal à la tête. Bla. Mais non, il y a d'autres manières de pratiquer la langue. Et comme je l'ai dit dans la leçon 1, mais je vais partager le document là, c'est... Tu peux travailler la langue en regardant des films, en VO, version sous-titrée, des films que tu connais par exemple. Tu peux regarder des musiques, des sons avec les paroles, où tu as vu au préalable la traduction. Tout plein de manières dans ton domaine, des vidéos YouTube, t'aimes la mécanique, ou tu regardes des trucs, tu regardes un peu le vocabulaire de la mécanique, et tu travailles de la mécanique. Dans le gaming, rien que le mot, c'est anglais. Il y a plein de... C'est super anglophone, le gaming, mais même la crypto, hein, d'ailleurs. Bah, voilà. J'aurais trop aimé t'avoir comme prof quand j'étais jeune. Mais ça... Alors moi, juste pour info, je suis pas professeur... Je suis professeur pour adultes, premièrement. Et puis, je suis professeur particulier. Je fais pas... J'ai jamais vraiment enseigné... à des groupes. J'ai toujours été en one-one. J'ai beaucoup plus enseigné à des anglophones le français, mais j'enseigne aussi l'anglais. Avec les enfants, j'ai déjà eu des élèves enfants. Franchement, j'ai eu parfois des mauvaises expériences. Des enfants, fallait la moitié du cours, ça en vient de la discipline, premièrement. Deuxièmement, je te parle des cours en particulier, là, tu vois, pas en classe. Donc, en classe, c'est différent. En classe, il y a moyen que je pourrais m'amuser. Mais en classe présentielle, parce qu'aujourd'hui, avec les cours en ligne, je vois comment ça se passe. Pareil, t'as pas beaucoup de regards sur les enfants, sur ce qu'ils font. Ils sont tous sur leur ordi, etc. En présentiel, ça peut être fun. Moi, je sais que ma mère, elle était prof d'anglais au collège, en fait, de la 6e à la 3e, tu vois. Pendant la majorité de sa vie. Et j'avoue que, alors elle était c'était prof d'anglais, c'était vivant, elle faisait des musiques, elle faisait des bouts de films, et en plus c'était à l'ancienne. Hein. Et à chaque fois, là, sachant que j'étais dans le même collège, combien de fois, là, il y avait plein de gens qui me disaient, ah ouais, c'est cool ta mère et tout, hein, on fait des chansons, on regarde des films, on machin. Et... Quand j'étais petit, je comprenais pas trop. Je me disais, ouais, ok. Mais avec du recul, je comprends. Bah déjà, du point de vue des enfants, que c'était fun. Et deuxièmement, je comprends même son approche à vouloir rendre le cours vivant, rendre le cours fun, pour que ça rentre un peu plus. Parce que on sait tous, au collège... les contrôles, les machins, que ce soit d'ailleurs, que ce soit l'anglais, que ce soit l'histoire, géo, les maths, etc. Si t'es pas passionné par la matière, ça casse les reins, tu vois. Enfin, voilà, on se comprend. Donc, quand t'as un prof qui est passionné, qui essaie de trouver différentes approches pour avoir du fun et tout, moi, en fait, j'ai eu ça avec une prof d'espagnol. Laisse tomber quoi. J'ai eu une année avec une prof d'espagnol que j'ai grave aimé. Tout,
toute l'année, là, j'avais 17,2 moyens en espagnol, alors qu'à la base, j'étais pas si fort en espagnol que ça. Et j'en ai gardé des restes, vraiment. L'anglais, c'est pas pareil. L'anglais, j'ai été exposé toute ma vie, donc c'est différent. Mais c'est une approche à avoir pour faciliter l'apprentissage de la langue, c'est clair. Donc, we are waiting. Nous attendons. Nous sommes en train d'attendre. We're waiting for the butter. On attend pour le beurre. It needs to be melted. Ça a besoin d'être fondu, exactement. Alors, fondre de la nourriture qui fond. To melt. Melted. On a besoin du beurre fondu. J'arrive, je pose ça 2 secondes parce que je ne veux pas cramer le casque. Je refuse ça. On va C'est comme du jus maintenant, mais c'est jaune. Bon là c'est brûlant. Tu fais très attention, j'aime pas ça. Ok. Back to the business. Retour du business. Donc juste pour la recette, mais bon, c'est, ben je vous dis, c'est pas un cours de cuisine, mais on allie les deux en fait là. Melted butter, du beurre fondu. We have some melted butter here. Nous avons du beurre fondu juste ici. But it's too hot. It's too hot. C'est trop chaud. It's too hot. I can't. Can't, c'est la contraction. I cannot, ça veut dire pareil, c'est juste que can't, c'est la contraction. I cannot pour it now. Je ne peux pas le verser maintenant. Why? Pourquoi? Tu sais pas? Non. Why? I can't pour it now. I need to wait a little bit. J'ai besoin d'attendre un petit peu. That it gets a bit colder. Ça refroidit un peu. Cold. Cold. Tiens, ça je pourrais le dire. Donc, chaud, froid, c'est des termes basiques. Mais on est parti pour écrire tout un tas de choses. Quoique, il nous reste 20 minutes. Là, j'arrête à 3 heures. Chaud, froid equals hot. Cold. Et en fait, si je dis plus froid, on va dire colder. Tu peux répéter juste ici, s'il te plaît? Tu peux répéter juste ici, s'il te plaît? Just here? Tu veux que je répète quoi? Non, j'ai juste ici. Non. Parce que je suis pas sûr de bien le dire. Oh, just here. Tu peux répéter juste. Just here. Just, on prononce à peine le T. Just. Et surtout, si je dis juste le mot just, je peux dire le T. Mais quand tu dis les 2 mots attachés, le T, je vais à peine le prononcer. Je peux dire just here. Just. Tu vois, just here. Je vais pas dire just. Here, just here, just here, just here, vite fait, tu peux le dire, just here, just here, just here, just here, ouais, vite fait, mais on l'entend quand même un peu. Here, here, just here, here, right here, on est en train de juste, enfin, on dit aussi. Si tu veux dire juste ici, c'est vrai qu'on utilise plus right here.
I'm right here. Where are you? I'm right here. Je suis juste ici. Je suis là, là. Juste ici. I'm right here. Just here. I'm just here. Tu diras pas ça. Hein? Non, tu dis ça. I'm genre... just here. Non. Mais pas vraiment. I'm here. Ouais, juste, tu dis juste. Ça, tu dis I'm here, I'm right here. Just here. Non, je sais pas trop si, on, si ça se dit. Hein. Non, just on here. Dit I'm right here. Okay, ouais, si tu veux dire, ouais, je suis là, là, je suis juste là, là juste là. Okay, right here. Here. Just here. J'essaie de pas dire de la marde parce que just here. Just here. Juste ici. Just here. Ouais, ouais, ouais. C'est pas, c'est, on a, j'ai pas l'habitude d'entendre ça en tout cas. Just here. Just right here. Quand quelqu'un dit un mot trop en anglais, je commence à l'oublier. Ah ouais. Parce que c'est dans ma tête, just, ok, just c'est normal, mais quand quelqu'un le dit trop, just, après je suis comme, c'est quoi ça, c'est quoi just, okay. Je l'entends. Ooh. Right. De rien, pas de problème. Donc, alors, what I was saying, ce que je disais, c'était, c'est un peu fort la musique là. Oh, il y a la musique. Ouais, en fond un petit peu. Non. Ok. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais remettre le vocabulaire. Vocabulary. Ok. Alors, plus froid, colder. Plus chaud, hotter. Tout simplement. Hotter. You're welcome. De rien. You're welcome. J'avais besoin. I needed. Ça, c'est du passé. J'ai besoin. I need. J'avais besoin. I needed to wait. J'avais besoin. Attends, c'est volant. I had to wait. On peut dire les deux. Ouais. On dit plus I had to wait. True. Ouais. On peut dire les deux. Ouais. Le truc, c'est que... The thing is that... Ça, c'est... Je vous traduis littéralement à chaque fois. Et j'aime bien dire aussi tout ce que je dis français-anglais, pour ceux qui suivent. Si je verse le beurre chaud, if I'm pouring the hot butter right now, comme direct maintenant, and if it's too hot... Si c'est trop chaud, it's not gonna work out well. Ça va pas bien marcher. It's not gonna work out well in a way that, d'une manière que, how can I say that? Comment je pourrais dire ça? D'une manière. Of a way. Ça va mess up le beurre. It's gonna mess up the butter. Yeah, it's gonna mess up the butter. It's gonna put. It's gonna mess up. Yeah. Okay. Je suis pas sûr, mes chéris. Pas ED. Je suis quasi sûr qu'il y a un ED. Messed up. Ouais, mais... Parce que je parle au passé. C'est un participe passé. Le truc, c'est que ça va faire des petits bouts de beurre. I'm gonna have a little chunks of butter. I don't want that. I want all mixed up. Je veux que ça soit bien mélangé. Bien mixed up. Bien mélangé. Donc, bon, là, je vais pas attendre 1000 ans non plus, mais regarde, tu vas voir. Ouh! It's pretty. C'est joli. Pretty. Joli. Pretty. Ok. Oh, c'est quoi ce couleur? C'était blanc avant. Et c'est la dernière étape. This is the last step. As I was saying. Comme je le disais. Ouais, depuis 13 minutes, il n'y a pas plus de temps. Last step, no, the very last step. La toute dernière étape, the very last step. Yeah. It's to put some vanilla extract. De l'extrait de vanille, un petit peu. Alors, c'est. Normalement, tu fais ça avec des gousses de vanille naturelles, c'est beaucoup mieux.
Des gousses de vanille, je serais incapable de dire ça là. Des gousses de vanille. Oh, ça fait sentir real vanilla. Ouh. Mais là, c'est de l'extrait de vanille. Vanilla extract. Et d'ailleurs, and by the way, d'ailleurs, vanille, en anglais, on prononce le L. On va dire vanilla. C'est pas vanille. Vanilla. Je prononce le L. Vanille. Ça, je pourrais le mettre. Vanille. Vanille. Alors, est-ce qu'il y a deux L ou pas? Oui, il y a quand même deux L. Il y a quand même deux L, mais on va dire vanille. On va prononcer le L. Wow, c'est presque le même en anglais, en français. Ah, mais il y a plein de mots, d'ailleurs. Il y a plein de mots. Des fois, c'est exactement les mêmes. Je l'ai dit un peu plus tôt. Mais la prononciation est totalement différente. D'ailleurs, attention, s'il te plaît. D'ailleurs, alors je prends toujours avec mes élèves comme exemple le mot prononciation. Prononciation, c'est presque pareil en anglais. En anglais, pronunciation. C'est presque écrit pareil, mais chaque syllabe est complètement différente. On va faire syllabe par syllabe. Français-anglais, donc français, pro. Et là, pro. Le R, je le prononce pas pareil. Non. Là, c'est non. Je prononce toutes les lettres, alors que là, c'est non. Sia. Sia. Le A, on ne le dit pas A. C'est pas prononciation. CIA, comme CIA, la CIA. On dit CIA. J'ose à peine dire bonjour, ça va. Non, dis bonjour, je t'en prie. Nap. Salut, salut, ça va. Je suis pas full anglais d'ailleurs, on en est pas là. Hein. Peut-être viendra un moment où je serai full anglais, mais là, on en est vraiment pas là encore. La CIA. En anglais, on dit CIA. Alors là, CIA, on va dire CIA. Et puis, Sion. La dernière syllabe, sion, rien à voir en anglais. Shun. Donc, prononciation, anglais, pronunciation. Une lettre qui change, alors que toutes les syllabes se disent différemment. Donc, c'est salut, salut à toi. C'est un bon exemple. On est sur la fin, là. On va quand même en cuire une, quand même. We're gonna cook one. We are going to cook one. Ouais, on va finir. On a 10 minutes pour cuire une crêpe. Bon, après, on va continuer ici, mais après, je vais déco. Alors, you're gonna help me. Tu vas m'aider. First of all, premièrement, can you? Est-ce que tu peux? Can you turn off the oven? Est-ce que tu peux éteindre le four? There is a button. Il y a un bouton. Off, right here. Merci. Secondly, deuxièmement, can you get, est-ce que tu peux prendre, can you get the pan right here? Est-ce que tu peux prendre la poêle juste ici? The pan It's gonna let us. Alors, let us, ça va nous laisser permettre, en fait, littéralement, le verbe, c'est allow. It's gonna allow us to cook the crepes. Exactement. Mais on veut pas une poêle froide. On fait des crêpes. Ouais, on fait des crêpes. Juste avant de finir, peut-être, je balancerai la recette. On veut pas une poêle froide, on veut que la poêle soit bien chaude. So, can you put the poêle, ouais. Put the pan. On va parler correctement. The one on the right side. The big one. Le gros. The big one. Right here. And then you need to turn on the... Yes. How much medium? Moyen. Feu moyen. Medium heat. Perfect. Medium heat. Feu moyen. Alors, les plates de cuisson with butter, yeah, avec du beurre, les crêpes. Ah oui, on veut un peu de matière grasse.
Des plaques de cuisson. Alors ça, je saurais pas comment le dire. Une plaque de cuisson. Hot plate, burner, stove. Stove, je crois que c'est comme un oven, un peu, stove. Je suis pas sûr, stove, je connais le mot, mais je l'utilise pas. Hot plate, littéralement. Alors, je vais mettre ce que je connais. Une plaque de cuisson, on peut dire a hot plate, mais a burner as well, aussi. A burner. Cooking plate, c'est possible aussi, hein. OG. Ah, dommage, on n'a pas les. D'ailleurs, ça c'est drôle parce que ben, maintenant la triche, ça se fait à Internet. Quand tu as les cours sur Internet, là, tu as des contrôles, tu as des évaluations où tu ne peux plus copier sur le voisin, là. Tout le monde est chez soi avec son écran. Maintenant, la triche, c'est grâce à Google. Mais cooking plate, ça devrait fonctionner aussi, hein. Littéralement, cooking plate, je vois pourquoi on pourrait pas dire ça. J'ai pas l'habitude, hein, d'utiliser les termes de cuisine trop en anglais. Cooking plate, ça devrait marcher. Cooking plate. Plaque de cuisson, ouais. Cooking plate. Et je pense que ça fait même plus de sens d'utiliser en premier lieu cooking plate. Cooking plate, littéralement en fait. Mais les autres existent. Des fois, il y a plusieurs manières de le dire, ça dépend des gens aussi, hein. Hey, tiens, regarde Louis Bott, il est dans le thème, hein. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Exact. Et on fait pas des crêpes non plus sans casser des œufs. Je devrais le modifier, ça. Ah non, dans des omelettes, a good one. Une bonne, a good one. On met un peu de beurre, un peu de lait. Ouais, mais je veux dire le main course. Le main ingredient, l'ingrédient principal, c'est des œufs. Oui, c'est vrai. Ah non, ça va être dur. Faire une omelette sans des œufs. Mais en fait, c'est une expression. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ça veut dire que pour faire une bonne omelette, il faut quand même casser des choses. Tu vois? Donc, tu casses un œuf, littéralement, tu casses un truc, ben, ça peut faire des omelettes. Après, ça peut se comprendre de différentes manières, cette expression. C'est comme si tu veux faire de l'oseille dans les play to earn, ben, faut prendre des risques. Dans certains jeux, t'es pas sûr, tu achètes un NFT, tu sais, t'essayes de trouver les bons jeux, mais. Tu prends quelques risques, quoi, tu vois. Mesurer, faut essayer de mesurer les risques. Mais... Ok, back to English. Retour en anglais. I need to check. We need to check. We need to check. On a besoin de vérifier. Si la poêle est chaude, if the If the pan is hot enough. Non, 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 pas comme ça. I'm gonna do it. C'est comme ça que tu vas faire. Je touche pas, je mets juste ma main. C'est suffisamment chaud. Je vais brûler. Alors, je pense que vous m'entendez suffisamment. Je vais juste mettre un petit peu de beurre. Alors, attends. Parce qu'on est sur la fin, là. So, on est sur la fin, puis il faut pas que j'oublie l'anglais. Hey, merci, merci. À la prochaine. À plus. En fait, j'utilise ce pain-là. I'm putting a bit of butter here and I'm gonna spread it. Je vais l'étaler sur la poêle. I'm gonna spread it. To spread. C'est ça que je vais dire. On l'étale, to spread, c'est étaler.
en fait, la deuxième étape, bah, c'est de... Si la poêle est suffisamment chaude, ça devrait directement prendre. If the pan is hot enough, it should get hard right away. Ça devrait durcir directement. Voilà, ça durcit directement, tu vois, comme ça. Et ensuite, il n'y a plus qu'une dernière étape. There is just a final step, which is de retourner la crêpe. To flip. You let it cook like 30 seconds. Tu la laisses cuire comme 30 secondes, une minute environ. Then you flip it. And then you're good. That's it. Et puis ensuite, alors juste pour la fin, on va pas le faire parce que je vais faire déco, mais... Oui, ça c'est la toute dernière étape en fait. The very last step. You put anything you want on the crepe. You put anything you want. Tu mets ce que tu veux. If you want to put some honey, du miel, you can. Tu peux. Some syrup. Syrup? C'est quoi du syrup? My maple syrup. Je crois qu'il y a des gens qui disent ça. Syrup et maple syrup. Ok. Ok, ok. Ouais, ça c'est les Américains. Ils mettent du syrup, mais c'est pas maple. Je connais pas ce truc. Mais maple syrup, du sirop d'érable. On est au Canada. Maple, c'est érable. Syrup. Maple syrup, Nutella, honey, jam, comme strawberry jam, la confiture jam, et plein d'autres choses. And a bunch of other things. Et plein d'autres choses. Peanut butter and jelly. And jelly. It's really good. Alors, en fait, voilà. Juste pour vous montrer, ça se décolle tout seul avec le beurre, ça se décolle tout seul. Hop, tu flips ça. Et puis voilà quoi. Et là, je vais attendre une autre une minute. Why you put some butter? Pourquoi tu mets du beurre? On met du beurre pour pas que ça colle. Pour deux choses. Pour le goût, for the taste, le goût. Et aussi pour pas que ça colle. Donc on va finir juste avec un peu de vocabulaire. Alors. Je vais reprendre quelques verbes. On a to cut. En fait, c'est couper. Couper, to cut. J'ai déjà dit to cook, cuisiner. To flip, j'avais dit ça. Retourner. Dans le domaine de la crêpe, là, on retourne la crêpe. To flip. Et d'ailleurs, on utilise ce terme dans les NFT aussi. Il y a des gens qui flippent. Ils flippent les NFT. On l'utilise aussi dans l'immobilier. Flip houses. Mais retourner, ça veut dire que tu l'achètes et tu le revends plus cher. Tu achètes un NFT, tu le revends plus cher. You flip NFT. Flip houses. Littéralement, c'est retourner. Et qu'est-ce qu'on a encore Alors, j'ai même pas dit la base. Manger. To eat. Ah oui, to spread, c'est ça que je voulais dire. Étaler. To spread. Et on va finir juste dans le domaine des crêpes avec miel, honey. Je vais prendre sirop d'érable. Sirop d'érable. On va être sur du maple syrup. Hop, on va sucre et citron. Enfin, c'est tellement bon ça dans les crêpes. Sucre et citron. Donc littéralement, sugar and lemon. On peut avoir Nutella. Hein. Nutella et banane, ouais. Alors banane, on va dire.
Tala Allen. Banane. Mais c'était pour le vocabulaire en anglais là. Confiture de fraises, par exemple. Confiture de fraises, on dit strawberry jam. Strawberry jam. Et voilà. En fait, je pense qu'on a fait le tour. Alors, j'ai loupé du vocabulaire. Hein. Clairement, il y a tout un tas d'autres vocabulaires, soit dans les verbes, soit dans les ingrédients, soit dans les plats, les choses de la cuisine. Mais pour aujourd'hui, je pense qu'on en a fait suffisamment. Le but, c'est pas d'en faire trop non plus. Hein. Mais il faut que... Je pense qu'on en a suffisamment pour aujourd'hui. Donc, ma foi, nous, on va manger. Ceux qui sont vraiment intéressés par la recette, bon, y a pas grand-chose. C'est pas très compliqué. Hein. Je pourrais la donner, mais moi, je le fais même sans... Je suis tellement habitué à faire des crêpes que je mesure à vue d'œil, quoi, en fait. Et alors attends, parce que ça va cramer là. C'est rapide, faut pas la laisser sur le feu. Hop là. Voilà. Et voilà. Et c'était un plaisir. On se revoit pas dans la cuisine cette fois. Demain, on sera plus posé. Là, c'était un peu rock'n'roll dans la cuisine là. Mais c'est bien d'allier, comme je disais, des trucs un peu, trouver du fun, trouver des angles d'attaque, des approches qui soient fun et intéressantes dans un thème, par exemple. Pour travailler une langue, ça fait toujours plaisir. Ça glisse un peu mieux. Du coup, on va... Ouais, je vous reprends dans 2 heures, en mode crypto cette fois-ci. Et je vous dis à tout à l'heure. Raid en chargement. Ouais, c'est stylé, hein. Raid en chargement. Alors, bon, on n'est que 4. Il y a peu de monde aujourd'hui, mais je peux comprendre. Quand même, alors, est-ce que je raid quelqu'un avec 4 personnes? J'ai rarement fait ça. Mais pour le principe, je devrais le faire quand même. Est-ce que... Vous avez une proposition rapidement, hein. Rapidement. Je pense pas. Ouais. Faut que j'aille dans le menu là. C'est un peu, je vais pas dire ridicule. Pourquoi je m'entends? Vous avez une... Attends. Alors, studio vidéo. Salut OG. Peut-être à tout à l'heure, je sais pas. T'as un ami qui a un viewer, on va raid un viewer. Enfin, on va raid une personne qui a un viewer. Raid en téléchargement. Ah ouais ou non, on va raid un gros gars genre qui a... On va raid Locklear ou Kameto ou Zerator avec 4 personnes. Tiens, bah ouais, vu qu'on a 4 personnes, les mecs, ils ont pas besoin de nous, tu vois. Je vais raid Zerator avec 4 personnes. Ah ça, c'est marrant, ça. Voilà. C'était un plaisir en tout cas. Ouais. Allez. Au revoir dans le futur. Au revoir dans le futur. On se capture dans le futur. Ah ouais, c'est bon. Allez, à la prochaine.